deux jours de la présentation du budget, le ENA, le grand honneur pour inaugurer le Craft Training Academy et le Craft Laboratory. C'est le résultat d'une rencontre qui dit ENA quelques mois de cela ici même, quand la SMEDA, tu regroupes un artisan qui est engagé dans le secteur et qui tient à énormes difficultés pour produire et pour écouler ce produit. Lors de sa workshop, là, nous finissons un échange de bonnes idées, nous finissons collecter bonnes suggestions et bonnes propositions. Et la SMEDA et aussi mon ministère finissent travail d'arrache-pied. Nous avons un comité interministériel qui est présidé par le député Prime Minister, l'honorable Xavier Duval, qui ont compris siéger l'aspect, sujet de l'artisanat à l'île Maurice. Mais nous, à la SMEDA, nous pas fin attendre le rapport sorti, il faut prendre le temps qu'il faut prendre, nous fin continuer notre travail. Quand nous disons, ben, camarades artisans, ce qui fin ressortir, c'est ce qui nous a plusieurs ben, problèmes. Un parmi les plus gros problèmes, c'est l'importation de ben, produits qui est capable de faire à l'île Maurice. Et d'après ben, chiffre qu'il nous fin gagner, qui m'a fait gagner, il paraît qu'il y a 200 millions d'euros de banques produits qui sont importés. Principalement de l'Asie, Extrême-Orient, mais aussi de Madagascar et quelques des autres pays. Et c'est un banque produit qui est directement trait à l'île Maurice avec le patrimoine de l'île Maurice et qui n'est pas ticoré. Et ça, tu tentes d'écrire, comme la terre cette couleur qui est rentrée dans le tube. Donc nous, au ministère, aussi à la SMEDA, nous disons qu'il n'y a pas une situation où on est capable d'accepter, qu'on peut digérer ça. Le marché reste un problème. Donc il y en a plusieurs qui nous ont adressé là-dedans et qui nous pourront adresser encore. Les bons qui nous disent que le secteur de l'artisanat, il y a tout le temps une question pour faire avec la tradition et la culture d'un pays. Et donc l'importation n'est pas une solution. Et c'est la cause qui nous croit dans ce secteur-là et qui nous besoin de la formation pour lui. Nous besoin de mettre un incentive là-dedans. Nous besoin de trouver le marché. Donc mon camarade qui est engagé dans le secteur de l'artisanat, je pourrais plaisir à penser positif, à penser que le ministère et surtout la SMEDA, que l'institution là, il y a l'écoute de banque d'alliance et qui ça l'institution là pourrait s'arrêter de l'autre côté pour capable satisfaire, peut-être pas à 100%, les efforts que tout le monde vient faire. Le ministère, à nos niveaux, nous on peut parler avec l'Inde surtout, mais aussi avec Madagascar, pour qu'il nous capable à même un master craftman pour mettre d'autres ici, pour quelques semaines, voire quelques mois, pour capable former un trainer ici. La formation, il pourrait se le mettre au mot. Pas seulement dans le secteur de l'artisanat, mais dans l'effort qu'ils ont fait, qu'ils nous pouvaient faire. Et là, comme ça, vous pensez que le budget qui peut venir, il peut dédier beaucoup conséquent à la formation, capacité building, training, ban workshop qui est très très utile, qui rapporte ce fruit. Et la SMEDA aussi pour qu'ils aient dédié une bonne partie de ce budget vers la formation.